Bonjour YouTube, on avait oublié de te montrer les résultats de notre production de hier, effectivement, du vin, hein. Le vin, ça a bien rapporté, les fromages également. Nous sommes finalement sur une bonne journée. Non, je suis très satisfait en vrai là, de tout ce qu'on a chopé, c'est un plaisir de tous les instants. Je pose les carottes, je pose les algues blanches, je pose mon plateau de racines, je pose mes beignets de crabe. Voilà. Salut Penny! Bonjour Noldo, je t'ai préparé un petit déjeuner bien chaud. Une omelette! Elle est incroyable. C'est important pour moi que tu partes au travail avec le ventre plein. Penny, best Penny, hein, j'arrête pas de le dire, mais... Mais c'est Penny, quoi. C'est... Voilà. Bon. On peut pas lutter. Par contre, du coup, j'ai l'impression d'être lent maintenant. C'est tragique, ça. Bon. On va aller poser notre œuf. Non, on va prendre les outils, les outils, les outils, les outils, les outils. Donc, l'arrosoir. Le seau. Voilà. Là, on est bien. Miaou! Voilà. On va aller juste regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on a fait alors? 5 tessons prismatiques. Oh oh. 239 iridium. 207 minerais de cuivre. 100... Oh oui. Oh, oh. On est très très bien. On est, on est vraiment très très bien. Donc on peut continuer. Des barrières aussi. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'elle avait déjà réparé les barrières. Ça, c'était incroyable. Coin, coin. Pour le moment, pas de iridium. Hein. On est pas mal, on est pas mal. Non mais attendez. Non mais là on a un problème. C'est que je... Ah non. Putain, j'ai failli me faire avoir. J'ai cru que j'étais hardstock là. Ah bah là on a eu beaucoup de chance, hein. Moi après je vais pas m'en plaindre hein, pour une fois que ça va dans notre sens. C'est assez rare, pour être souligné, donc bon, moi je suis satisfait. Oui, il faudrait que je fasse du caviar aussi, c'est vrai, faudrait qu'on fasse une nouvelle mare aux poissons. Ah bah je sais où je vais la faire ma mare aux poissons. Non en fait je sais pas. J'ai beau réfléchir. Je vais attendre que tous les vins soient prêts. J'en ai marre qu'ils soient en décalé. Comment je fais pour utiliser mon œuf de dino? Il est où le truc? C'est là? Mais non, mais c'est que l'œuf de dino, il se met absolument pas là, surtout. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est un mouton, ça, on va éviter de le traire. Parfait. Bon. Écoutez, on est pas mal. Mais il est désormais temps pour moi d'amener le dinosaure dans sa nouvelle maison.
On va donc bientôt avoir un dinosaure. On est bien hein, quand même, on a... franchement on est pas mal du tout. On a 21 000, ce n'est pas assez. On a du charbon. Je vais faire probablement... Non, on va probablement faire... du fer. Voilà. 5 tessons prismatiques. Après, je sais même pas à quoi ça sert, hein, les tessons prismatiques. Une fois que t'as fait ton arme... Tu veux faire éclore un dino? J'en ai donné un au musée. Non, j'en ai pas donné au musée. Mais ce serait idiot que j'en donne un au musée d'abord. Il vaut mieux que je donne... Il faut mieux que je fasse mon œuf ici, que je le fasse éclore, il me donne un œuf, et c'est cet œuf-là que je donne au musée. Puis après, je ferai des mayonnaises de dinosaures. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Parce que ça m'évitera d'avoir à aller en rechercher un. Là, je vais produire des œufs. Donc bon. Non, mais le dino, faudra qu'on le décale dans l'eau. Hein. Oui, très clairement. Après, c'est un dino végétarien, bien sûr. C'est un herbivore. Bon, tout ceci ne nous dit pas ce que l'on fait. Je vais aller voir Robin pour voir ce qu'on va faire. T'as jamais fait de dino? Bah ça pond des œufs, ça pond des œufs, ça pond des œufs de dino et tu peux faire des mayonnaises de dinosaures. Qui sont pas excessivement incroyables, hein, mais... Enfin, qui sont pas excessivement incroyables. Disons que c'est pas mal. Mais bon. On va les faire... On va probablement faire un nouvel étang... Voilà, un nouvel étang pour faire le caviar, c'est ça. Mais pour ça, je veux voir où je vais le poser, mon étang à caviar. Oh là là! Bon, bah on a 20 minutes à tuer. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Vous connaissez déjà le nom du dinosaure? Ah bon? Comment ça? Alors, je suis allé voir parce qu'elle a dit qu'elle avait des nouveaux trucs de travail, enfin des nouvelles décorations, donc je regarde, mais... Oh ça, je nid, hein, ça, là, cette table, on en a besoin. Denver? Ah, vous l'appelez Denver? Pourquoi j'ai des cheminées en pierre à 1000, là? Là, il y en a d'autres qui sont en... Bah, je l'ai en double, en fait. Hop. Augmenter le relationnel. Oui, bon. Faut que je vous montre quelque chose. Faut que je vous montre un truc. J'espère que Penny est encore à la maison, c'est le seul truc. Vous allez comprendre. Pour le moment, je n'en dis pas plus, mais vous allez comprendre.
fait. Attendez, je sais pas comment on fait en fait. Attendez un instant. Je peux pas ici. Faut vraiment qu'on agrandisse, hein. Attendez, laissez-moi vous montrer. Attendez. Ça marche ? Attendez, attendez. Attendez, faut que je vous montre un truc. Comment ça marche ? Bougez pas. Ah, d'accord. Donc, je me mets là, admettons. Et je fais F10. Boum. Non mais c'est trop. Je peux pas dézoomer? C'est où le zoom? Non merde, c'est... ça n'a rien à voir ça. Bougez pas. Hein. Ah mais c'est trop petit. Ça va jamais le faire. Attendez. C'est pour faire... Attendez. Mais ça peut être sympa. Attendez. Ok, alors. Et donc là, je vais là. Bon, lui, je lui redonne sa table, hein, bien sûr. Bougez pas. Hein. Mais non. Là, je fais F11. Ça marche. Il y a le poster. La photo. C'est idiot. Bon, très bien. Il faut qu'on aille en faire une avec le chat, bien sûr. Donc, il faut qu'on aille en faire une avec le chat. Ça me paraît très important. Par contre, je suis trop dézoomé maintenant. Ah là là. Ah ouais, le chat, ouais. Merde, je suis trop zoomé en fait même. Faites voir. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est absolument parfaite cette photo, je pense. On va aller voir. Donc, attendez. Ah, évidemment. Ça. Oui, bon. Oh. Oui, voilà. À côté de la cheminée, bien. Ce cadre. Voilà. En attendant. Et là, normalement, je fais F11. C'est génial. Mais c'est génial, en vrai. Regardez. Regardez ce tableau. Est-ce qu'il n'est pas un peu extraordinaire? Meilleur tableau. Le chat. Bon, bref. Reprenons. Excusez-moi, je suis un gosse. Alors. Ça n'a pas de sens.
Donc du coup, j'ai ce truc-là aussi qu'on va pouvoir poser. On va pouvoir poser un tableau ici de... Voilà. Oh, il m'en faut peu, hein, vraiment. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. On va acheter ça. Hop. Et puis en vrai, si, voir les cactus. Hein, on n'a pas été voir les cactus encore. Je vais m'en remettre, hein, mais c'est juste que la tête du chat sur le poster, je trouve qu'elle est absolument estière. Oh. Petit verre. Ah, j'en étais sûr. Et donc du coup on gagne des cactus. Vous voyez, des fruits de cactus. Ce sont des fruits. Ah oui, puis oui, quand même. Je me demande combien ça se vend. Donc on va aller regarder. Je vais regarder si je peux faire avec... Oh, allez, allez. On va essayer de mettre des fruits de cactus dans les fûts pour voir. Et du coup, c'est par là. Pète. Je vais aller faire d'autres seigneurs aussi. Vous pensez que le cactus, on peut en faire des trucs? Oh oui, on peut. Bon, j'ai 6 torches, je m'en fous un peu. Voilà. C'est extraordinaire. Quand même. Attendez, j'avais reçu un truc qui me disait d'aller voir un buisson. Attendez, j'avais reçu une note qui me disait d'aller marcher à un endroit là. Il y avait un pont. On s'en souvient, il y avait un pont. Non? Mais il n'y avait pas un pont? Putain, mais j'ai le souvenir d'un... de cet endroit, moi. Et ça disait quoi comme déplacement? Comme déplacement? Mais attends, mais c'est terrible. Vous êtes... je peux pas revoir mes secret notes? Nulle part? Si. Ah tiens, on a un autre endroit où creuser. C'est dans le désert, ça, tiens. Oui. Donc, je pars de là. C'est ici, je suis quand même pas fou, hein. Donc, il faut que je fasse un pas à droite. Droite, gauche... Non, droite, bas, gauche. Mais je peux pas, il y a un lampadaire en fait. Je comprends pas. Merci Vince, ça je t'avoue que j'apprécie parce que... Alors attends, on va tenter un truc. Droite. Bas. Gauche. Bas, gauche, B, je peux pas. Admettons donc, droite. Bas. Gauche. Bas. Je peux pas, mais je peux pas, je comprends pas. Je comprends pas la note. Donc je suis là. Mais ça fait 3 de large. Mais c'est peut-être pas le bon pont, hein. Il fait 3 de large. Là, ça fait pas 3, ça.
aussi. Trop bizarre, j'arrive pas à le comprendre lui. Pourtant, ça doit être le bon endroit. Je vois pas d'autres ponts avec deux lampadaires en fait. Vous avez une idée, vous, d'un pont avec deux lampadaires autre que celui-là? Moi non, hein. Trop bizarre. Putain, je... Je comprends pas. Le point, il est là. Droite. Attends. Droite. Bas. Bas. Gauche. Bas. Gauche, bas. Y a rien en fait. Je comprends pas. Je comprends pas la note là. On doit commencer là. Droite, bas. Ah, ça n'a pas de sens. Oh, je suis perdu. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez une... C'est quoi le petit carré au-dessus de la première flèche? Mais je vois pas de petit carré en fait. Attends. Il t'indique que c'est le point de départ. Il dit si t'es au petit carré, tu fais droite. Mais ça n'a pas de sens du coup. Pile au milieu du pont, mais c'est pas au milieu ça. Quand on regarde, c'est pas au milieu. Je suis pris d'un doute. Mais... C'est peut-être pas le déplacement du perso. Oh, si, je pense que si. Attendez, je vais faire un truc. On va se mettre là. Voilà. T'es sûr que c'est un pont? Bah, ça y ressemble quand même vachement. Les deux lampadaires. Attends, y aurait où d'autres? Qui aurait un machin similaire? Il y a un carré blanchâtre. Carré blanchâtre. En haut. Ça, c'est du scotch, hein. Ça, c'est du scotch, hein, ça, bien sûr.
Une clôture. Je sais pas. Je suis vraiment confus. Je regarde et je me dis, mais que faire de cette information finalement? Non mais attendez, attendez, attendez. Je sens qu'il y a il y a quelque chose qui me dépasse. Deux lampadaires comme ça. Non mais où voulez-vous que ce soit? Je vois pas où ça peut être. Bah celui-là, honnêtement, tant pis, on va le laisser. Viens me parler au travail, je conduis un camion. Bon, on va aller voir le mec de Jauja. Il conduit un camion, pareil. On est samedi, il travaille le samedi, vous pensez? Il conduit un camion. Qui conduit le camion déjà de Jauja? Vous le savez, vous? C'est si cher. Oh là là. Suis confus comme pas possible. Deux lampadaires. Oh, j'en sais trop rien. Un riz? Ah non, 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 j'achète pas le riz, hein, le... Enfin, si je dois l'acheter, c'est pas ici que je l'achète. Non, mais clairement, il y a un endroit, mais c'est... On sait pas. Voilà, je... Par contre, on a ça, là. Faut... Attendez. Non, mais regardez. Là... Ça représente bien ça, là. C'est la même chose. Donc, c'est bien ça. C'est bien cet endroit. C'est quand même un monde. Oh. Oh. Droite. Bas, gauche, bas, gauche, bas. Je vois rien, un truc. Non, y a rien. Ça m'amène dans un drôle d'endroit, quoi. Ça m'amène derrière chez Louis. Y a un truc là. C'est pas juste une case. Enfin, j'en sais rien, on va aller voir. On va aller voir. Ça... Oh, faut appuyer sur ce buisson alors. À minuit 40. Alors attendez. Il nous demande de partir de là. Non mais ça n'aurait pas de sens que ça ne soit juste une case. Parce que si tu pars de là, tu fais droite,
Bah, tu peux pas, donc t'as l'air d'un pitre. Non, je pense que c'est... Ah, je sais pas, en fait. Je sais pas. Non, non, je pense que c'est ça. Droite. Bas, gauche, bas, gauche, et bas. Mais sauf qu'il n'y a rien. Bonjour Tito, bienvenue. Mais il y a un truc, j'en suis bien sûr. Pardon? Pardon? Qu'est-ce que c'est ça? Un Louis en or massif? Mais... Puis qu'est-ce que j'en fais moi de la statue de Louis en or massif? Oh là, attendez, attendez, j'ai une idée. Au milieu du village. Le maire n'a pas de sous, regardez, il vous ment. Le maire, il dit que le village n'a pas de sous et il fait des statues en or massif. Formidable. Bon. Je vais le laisser au milieu du village, ça me fait beaucoup trop rire. Nous, il faut qu'on attende, du coup, minuit 40, hein, c'était ça, minuit 40. Minuit 40, hein, c'est ça, minuit 40. Il faudra qu'on appuie sur ce buisson à minuit 40. Qu'est-ce qu'on fait en attendant minuit 40? On pêche. Petite pêche, petite pêche. Enfin, attendez, j'avais pas d'autres trucs là aussi? Si, on va aller dans le désert vite fait. Parce qu'il y a un autre machin à aller chercher dans le désert. On a vu une. Qu'on avait une note. Vers un étang, ça doit être là. Donc logiquement, c'est là. Une poupée étrange. La poupée étrange, je crois pas qu'on doive la donner à... Ah, comment il s'appelle? À Gunther? Je crois pas. Oh, par contre... Par contre, je me dis, il y a peut-être quelque chose à tirer de ça. Quoique non, faut peut-être bien le donner au musée. On va aller le donner au musée. Oh mais... Parce qu'on l'avait toujours pas eu. C'est moche, hein. C'est quand même super laid, non? Bon.
Elle me dit que j'ai rien à donner. Oui, je l'ai déjà amené. Alors attendez. Super concombre. Strange toy. Strange. Quoi? C'est strange quoi? Strange bun. C'est quoi un strange bun? C'est ça? Je pense. Et il faut qu'on l'amène dans la boîte à jouer de quelqu'un. Qui aurait une boîte à jouer? Le gamin à gauche là-bas. Eh mais je peux pas rentrer dans chez lui. Papa revient bientôt, j'espère qu'il m'apportera des jouets. Bah écoute. Faites voir. Boîte à jouer. Si on voit une boîte à jouer avec un truc dedans, on saura. Oula. Une boîte à jouer là? Ah oui, il y a une boîte à jouer. Oh merde! Mais là, c'est évident, sa boîte, là. Pour y amener le jouet. Faudra qu'on l'amène. En attendant, il est 17h40, nous allons pêcher. Et dès qu'il sera minuit 20, faudra qu'on revienne en vitesse ici. Pour savoir ce qui se passe. Là. Minuit 40, ils nous disent d'aller appuyer sur ce buisson. Donc, bon. On fera, hein. On sait jamais. Peut-être qu'on va gagner un objet ou... Je me demande si je fais mes corvées aujourd'hui. Ouais, comment vas-tu? Non, mais ça, c'est des concombres. Ce ne sont pas des super concombres, donc ce n'est pas bon. Le super concombre est violet, pas jaune. Boum, 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 boum. Boum. Oh, j'ai hâte de savoir ce que c'est quand même le truc dans le buisson là. C'est bien, on fait les petits secrets aujourd'hui, ça change. Et maintenant on pêche. Des concombres du coup. Je suis quand même curieux. Hein. Ah non mais attendez, il y a un problème, c'est que... Quand on pêche, le temps ne passe pas, si. Je suis pris d'un doute terrible. Minuit 40, hein. Oh là là, c'est long, hein. Attendez, minuit 40. Ah bah, du coup, vous savez ce qu'on va faire en attendant minuit 40? En fait, on va pas pêcher. On va faire bien mieux que ça. Statue de Louis au milieu. Ah mais c'était des concombres, mais on va faire mieux, vous allez voir, hors service. Ça part. J'ai complètement loupé le pompe, je suis bête. Ça se passe bien là pour le moment en vrai. Vous pensez que c'est influencé par la chance qu'on a dans la journée? Parce que si oui, ça tendrait à vouloir dire qu'on a de la chance là aujourd'hui comme pas possible. Oula.
Oui, alors là, par contre, c'est ma fin. Hein. Ça, c'est signé, c'est ma fin, c'est écrit. Mon Dieu. Putain, on n'est pas mort ? Bon, là, ça devrait être moins le fun, là. Mais on peut tirer en diagonale. Incroyable, j'ignorais. Énorme, café. Dans quoi j'ai marché? Oh, quel bonnet! Bon, c'est pas grave. Ça, c'est mes famous last words en PVP sur Lost Ark aussi. Dans quoi j'ai marché? Bon, ça marche pas. Bon, et puis le temps ne passe pas. Je viens de me faire la réflexion, le temps va jamais passer si on fait ça, donc... Oh là là, mais minuit 40! Minuit 40! On veut savoir, on veut savoir! Qu'est-ce qu'ils ont, les deux, à être figés là, par contre? Tu sens l'herbe? Comment ça? Comment ça? Bon, on va aller voir Crobus, en attendant. Ça va, Crobus? Oh, il y a un poisson bizarre, là. Allez, ça part pour pêcher. Bon, alors, on pêche dans les égouts, je sais, c'est... moyen. Bon, apparemment, il y a de très belles carpes, quand même. Poisson chapeau! Incroyable. Et on le tient! Carpe mutante! Oh oh oh! On a eu mieux qu'un concombre du coup. Oui, mais attendez. Alors. On va aller voir Crobus. Tant qu'à faire. Allez, vendredi, je garde le silence en signe de dévotion envers Yoba. D'accord. Récompense d'automne. Il nous donne de la bouffe. Un emblème de navire. Bon. Une cheminée monstre. Ah putain. Il y a le fruit étoilé qu'il faut qu'on achète. Mais c'est pas vraiment une urgence. C'est. Non. Et non. Oh le cher. Chaque fois que je vois ce prix, ça me met mal et nauséeux. Il y a une sorte de champ de force qui vous bloque le passage. Il y a un truc hein, ici, non mais c'est 200%, c'est garanti ça. Ah, en attendant, bon, on pourrait bientôt... On pourrait aller friter des mobs, on pourrait faire ça. Mais j'ai peur qu'on loupe le créneau ici, là, de minuit 40, là. Parce que bon, quand même, hein. C'est exceptionnel, ça. Au milieu de la ville, histoire que tout le monde voit à quel point le maire s'enrichit, bien sûr, sur le dos de sa municipalité, tout en prétendant être pauvre. Ah oui, le village n'a plus beaucoup d'argent, hein. Tu parles. Le mec, il fait des statues en or massif, quoi. Allons-y, direction les mines. Il y aura le nain. Le nain, malheureusement, j'arrive pas à trouver les parchemins dont on aurait besoin. Oh là, il y a une cinématique. Tu as trouvé quelque chose? Ah bon? Cette arme, je ne peux pas me tromper. Tu as reçu une épée de galaxie. Ah bon? Tu as été jugé digne, Noldo. C'est un véritable honneur. J'ai obtenu ma première arme de galaxie après une nuit de rude bataille à Castle Village. Il y avait une lumière aveuglante violette alors qu'une épée tombait lentement entre mes mains. J'ai ressenti la puissance du cosmos pendant une brève seconde. Les sorciers et les érudits pensent que Yoba offre ses armes aux véritables gardiens de l'humanité.
Je te permettrai d'acheter des armes de galaxie dans notre cache d'armes secrètes, aventurier. Oh, je suis fier de toi. Je peux maintenant acheter des armes de galaxie à Marlon. Eh ben, parfait. Mais on l'avait déjà vu. Et on a eu un peu d'avance, je crois. Attendez, oui, et je pouvais crafter des anneaux en iridium, ça fait quoi? Scintille, attire les objets et augmente les dégâts d'attaque de 10%. C'est pas mal, hein, ça. Mais moi, je venais voir ça. Voyons voir. Les squelettes, ça se passe bien. Ça monte, ça monte. Les slimes, ça monte lentement, mais sûrement. Les poivrons rex, on en est qu'à 18. Les crabes, on est à 38 sur 60. Les momies, c'est compliqué. Hein. Il faut des bombes. Pour les momies, on est obligé d'avoir des bombes. Sans bombes, on peut pas tuer les momies, donc... problème. Et il nous reste toujours un type de mob qu'on n'aurait jamais vu. Bah c'est quoi? Ah, je sèche. Bon. Les fouisseurs boueux, c'est compliqué. Hein. Ouais. Salut, le vieux Gilles. Ah, des aventures. Salut aventurier, des affaires de guilde aujourd'hui. Voilà, on s'en va bien sûr. Il est 19h40. Dans 4 heures, en jeu hein, bien sûr, nous aurons enfin la vérité quant au buisson. Oh j'ai hâte, je sens que ça va être énorme, on va gagner. Oh, ça je l'avais pas le crâne préhistorique, c'est bien. Oh mais qu'est-ce qui se passe? On chope de ces trucs? Sérieusement. Oh, j'ai hâte! Parce que quand je vois qu'on a quand même trouvé une statue en or du maire, je me dis, il y a moyen que ce soit quelque chose qui vaille un peu cher. Parce que quand on regarde, on a eu quoi en tout? On a eu le jouet, là. Ah ouais, mais le jouet, bon, pas si fou que ça. Le coffre au trésor, la statue de Lewis en or... on a le droit d'espérer avoir quelque chose de sympathique. C'est légitime. De toute façon, on va être vite fixé. Car l'heure tourne. Ne pas se tromper. La combinaison en latex du maire. Oh non, au secours. Ah non, non, on va pas tomber là-dessus. Il a juste perdu son slip, hein, c'est tout. Il a pas perdu plus. Respectons-le quand même un minimum. C'est insupportable. Voilà, c'est un piège à Père Noël. J'appelais ça comme ça. Formidable. Et un diamant en plus. Vous savez quoi? Le diamant, ça me fait plaisir. On va l'offrir à Penny. Merci! Ça ne sert à rien, hein, concrètement. Ma mère se sent sûrement très seule depuis mon départ. J'espère qu'elle n'ira pas trop souvent au saloon pour noyer son chagrin. Ne culpabilise pas trop. Ma mère doit résoudre elle-même ses problèmes. T'inquiète, on va lui amener de la bière bientôt. Hein, on sera la source des problèmes. Ce sera bien. On a beaucoup de notes. 1, 2, 3. On a beaucoup de notes qui nous manquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a trouvé pas mal. Sur 25, bah il nous en manque 10, donc on en a fait 15. C'est pas mal. C'est bien qu'on puisse les retrouver. Oh, j'ai hâte, hein, ça. J'espère que ça sera bien. Donc ça, on a fait, ça, on a fait, ça, on a fait, ça, y a rien, ça, c'est dégueulasse. Les lettres. Hein, quoi? Ah oui, non. Ok. Bah écoutez. On va attendre notre heure. Hein. Est-ce que vous avez des choses à raconter en attendant? Parce que là, le temps, il va tourner. On ne sait pas ce qui va s'y passer. Hein.
40. Faites vos pronostics dans le chat, d'après vous, sur quoi est-ce qu'on va tomber? Un trésor? Ou de la Kaamelott? Ou autre chose, hein, d'ailleurs, allez savoir. D'après vous. Je vais mettre un peu de musique quand même parce que... Évidemment, les gens qui traînent sur le wiki, qui du coup savent ce que c'est, merci de ne pas s'exprimer. Ne gâchez pas le plaisir aux autres. Pour le plaisir de vous faire mousser. J'anticipe, hein, je sais pas si des gens. Je sais pas du tout si des gens ont été regardés. Hein. Mais là, le problème, c'est que l'heure, elle est tellement spécifique avec ce minuit 40, j'ai trop peur de le louper et du coup, j'ose pas faire autre chose. C'est extrêmement bête parce qu'on pourrait. Hein. On pourrait complètement, mais bon. Ah, j'ai hâte. De la pêche juste en dessous jusqu'à minuit. Oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'on peut faire ça. Je sais même pas ce qu'on va pêcher. Voyez-vous ça, un poisson qui se débat. Un brochet. Mais on pêche tout le temps la même saleté ici. C'est tout le temps des brochets, au secours. Oh non, il va y avoir des morues lingues. Je le sens. Vous la sentez, la morue lingue? Moi, je la sens. Hein. Une paire. Oula! Oh bah ça c'est une morue lingue ça. Non mais la musique par contre. Non mais la musique. C'était la musique du mariage, au secours. Oh en vrai c'est rigolo. Allez. En tout cas, je dis, hein, s'il y a des gens dans le chat qui doivent bientôt se marier, je vous mets au défi de choisir cette musique-là. Du coup, lorsque vous aurez... voilà. Bref, vous m'avez compris. Je vous mets au défi, bien sûr, de sortir de votre église ou de votre mairie ou de ce que vous voulez avec ça. Une dorade et un coffre pour une chérotte. Allez, je coupe les musiques par contre. 23h30, on commence à se rapprocher, plus qu'une heure.
Ah, j'espère, hein, j'espère que ça valait la peine, parce que... Là... Là, quand même, quoi. Une flûte en os, on avait déjà, ça. En plus, on se quittera là-dessus, vu l'heure. Puisqu'à 16h30, vous le savez, j'arrête et je reviens le soir. Au secours. Au secours. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat ici qui adorent les... leurs chats? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chats, bien sûr? Vous le savez, hein, sur le Discord, nous adorons les photos de chats. N'hésitez pas à poster les photos de vos chats. Ah bah oui, je sais, Tito. Puisqu'ils mangent des fraises tagada. Non, c'est pas vrai, hein, bien sûr. Ne vous en faites pas, il ne... le chat ne mange pas des fraises tagada. Team chien, mais comment ça, Sanguine? Comment peux-tu... Mais comment... Quelle est cette forme de déni? Il se fait tard, oui. Non, mais faut pas être désolé. Faut pas être désolé. Mais c'est rigolo. C'est rigolo d'être dans le faux et le mensonge comme ça. Mais c'est bien d'en avoir conscience, et je t'applaudis, je t'encourage... En avoir conscience, c'est le premier pas vers la guérison. Bientôt, je suis persuadé que tu trouveras la lumière et que tu iras vers les chats. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, hein, bien sûr. Non, plus sérieusement, y a pas de... Je comprends les gens qui aiment pas les chats, je comprends les gens qui aiment pas les chiens, je comprends les gens qui aiment les deux, je comprends les gens qui aiment rien aussi, bien sûr. Je ne juge pas réellement, vous le savez. On a tous le droit de faire des erreurs. C'est terrible. Il faut que j'arrête un jour, hein, parce qu'il y a des gens, ils vont prendre ça au premier degré et ça va être terrible. Alors que bien sûr, ça n'en est pas. Hein. Même si moi, personnellement, j'adore les chats, hein, bien sûr. Et que les chiens, j'ai un peu du mal avec les vieux chiens de grand-mère, là, les tout petits trucs. Mais alors par contre, les petits chats... Ah, ça. Attention, c'est bientôt l'heure. Nous sommes prêts à interagir avec le buisson. Le conclave est prêt. Pardon ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Au revoir YouTube, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu aimes te promener à minuit 40 dans des buissons avec ta ou ton dulciné, bien sûr, et afin de bien sûr jouer au Scrabble. Voilà, je vous souhaite évidemment à tous une bonne soirée, je pense m'arrêter là, je ne comprends pas ce que j'ai vu. Je vais aller chercher un peu de Javel pour mes yeux, et ça ira. Merci à tous. Merci. Bon, au moins on s'est fait des sous. Hein. Quel enfer, mais tout ça pour voir ça, mais quel cauchemar. Mais c'est-à-dire que... Ah, quel enfer. Bon, bref. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci de votre présence. On revient ce soir pour la suite. Je vais probablement aller dans la mine. Parce que... Faites voir, on va juste vite fait regarder. Au revoir YouTube, toi tu verras pas. Au revoir.